Aujourd'hui, on va revenir sur la visite de Macron au Rwanda qui a eu lieu le jeudi 27 mai dernier. Donc Macron est allé faire un discours devant le mémorial dédié aux victimes du génocide, principalement les Tutsis et des Hutus modérés, génocide qui a eu lieu en 1994 et qui a fait entre 800 000 et 1 million de morts. Bien sûr, des victimes, des familles de victimes ont été soulagées que pour la première fois, la France, par la bouche de Macron, reconnaisse au bout de 27 ans la souffrance des victimes, l'existence du génocide et parle des responsabilités accablantes de la France. Parce qu'il faut dire que depuis 27 ans, la position de la France est une position négationniste par rapport à ce génocide. Bon, donc, le discours de Macron a pu apparaître comme une certaine reconnaissance. Mais en fait, ce discours, c'est une ignominie. Parce que loin de reconnaître les responsabilités de la France, c'est un discours, au contraire, qui nie la complicité française dans le génocide, qui parle d'erreur, d'aveuglement des politiciens de l'époque, mais certainement pas du fond, c'est-à-dire du fait que ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, c'est lié à la politique de l'État français pour la défense de son impérialisme partout, en fin de compte, dans ses anciennes colonies. Alors pourquoi a-t-il fait ce discours, Macron ? Eh bien parce qu'il éprouve la nécessité, et ça permet que les capitalistes français puissent revenir au Rwanda, puissent retrouver une place au Rwanda, place qu'ils ont perdue en 1994, au moment du génocide. Macron avait préparé cette opération avec l'accord de Kagame, qui est le dirigeant actuel du Rwanda, depuis un certain temps. Il y a quelques années, il a commandé à un groupe d'historiens triés sur le volet un rapport pour étayer sa thèse des responsabilités sans complicité de la France dans ce génocide. Le rapport Duclerc, le rapport de ces historiens, étaye donc cette thèse en admettant un certain nombre de faits qui sont connus depuis très longtemps. Parce qu'il faut comprendre que depuis 27 ans, les victimes, des associations, elles cherchent à prouver cette responsabilité de la France. Et elles ont montré un certain nombre de choses. Donc le rapport les reprend, mais explique que tout ça, ça serait dû seulement à l'aveuglement des politiciens de l'époque. Et c'est ça qui permet à Macron d'avoir cet acte politique aujourd'hui. Alors pour comprendre tout ce qu'il y a d'hypocrite dans cette attitude de Macron, il faut revenir en arrière sur le Rwanda, l'histoire du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays d'Afrique centrale, voisin du Congo, qui a été colonisé d'abord par l'impérialisme allemand, puis par l'impérialisme belge après 1918. Ces colonisateurs, comme toutes les puissances coloniales, ont utilisé les différences entre les populations pour se servir des uns contre les autres, divisés pour mieux régner. Pendant toute la période coloniale, donc, les Tutsis, qui sont une ethnie plutôt d'éleveurs, ont été, d'une certaine façon, on pourrait dire, favorisés, poussés en avant par les colons belges contre les Hutus. Et au début des années 1960, quand l'indépendance arrivait pour le Rwanda, il y a eu un renversement de situation favorisé par les dirigeants politiques belges pour mettre au pouvoir, pour permettre que les dirigeants politiques Hutus arrivent au pouvoir et se venge d'une certaine façon contre la population Tutsi. Ce qui fait que l'oppression des Tutsis, c'est un peu le fondement du pouvoir rwandais depuis son indépendance. La Belgique a été peu à peu repoussée du Rwanda, et c'est la France qui a pris la place comme puissance tutélaire de ce pays indépendant, si on veut. À partir de 1973, se met en place une dictature, la dictature d'Habyarimana, qui est intégralement soutenue par la France. Ça veut dire que l'armée française, elle vient sur place pour former, pour encadrer, pour organiser l'armée rwandaise. L'état-major, il aide aussi à la formation de la gendarmerie rwandaise. Elle est aussi armée, formée, et la gendarmerie, c'est une force de répression interne, c'est-à-dire directement contre la population. Et elle est faite sur le modèle de la gendarmerie française. Le soutien de la France à cette dictature, il est indéfectible jusqu'en 1994. Mais ce pouvoir qui s'appuie sur l'oppression, qui s'appuie sur déjà des massacres de Tutsis,
Il va être mis en difficulté à partir de 1990 parce qu'un certain nombre de Tutsis qui ont dû partir du Rwanda, qui se sont retrouvés dans les camps de réfugiés des pays autour, forment un appareil militaire, le Front Patriotique du Rwanda, le FPR, et ils décident de rentrer au Rwanda militairement pour faire la guerre, pour renverser le pouvoir de Kigali. Cette guerre, elle met en difficulté le pouvoir d'Habyarimana et la France le soutient encore plus, pèse de tout son poids pour empêcher l'arrivée au pouvoir du FPR. Là, ce n'est pas du tout parce que la France aurait une haine contre les Tutsis, pas par vision raciste. D'ailleurs, dans la même période, 1993-94, la France soutient la dictature au Burundi, qui est une dictature Tutsi. Mais le problème avec le FPR, pour l'impérialisme français, c'est que derrière, il voit la concurrence de l'impérialisme britannique et de l'impérialisme américain. Et c'est au nom du maintien de ses intérêts économiques au Rwanda qu'il va soutenir le pouvoir et l'attitude, la politique d'Habyarimana. Parce que non seulement Habyarimana tente de repousser le FPR, mais pour se maintenir au pouvoir, il va développer toute une politique qui mène au génocide. Entre 1990 et 1994, le génocide, il est prévu, orchestré, organisé complètement par le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est vrai de tous les génocides. Les génocides, ce n'est pas des poussées de violence d'une partie de la population contre une autre. Que ce soit le génocide contre les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, le génocide contre les Juifs et les Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont des massacres qui ont été préparés, prévus, et organisé par les pouvoirs en place. Au Rwanda, c'est pareil. Et c'est pour ça que la France, elle le savait tout à fait, parce que entre 90 et 94, tout est mis en place. Les médias rwandais officiels, la radio des Mille Collines, pendant des années, elle fait de la propagande raciste. Elle traite les Tutsis de cafards en expliquant qu'il faut les exterminer. La population va subir cette propagande pendant des années. Il y a des listes qui sont faites des gens à massacrer. Et les milices qui vont assassiner les Tutsis et les Hutus modérés, elles sont formées, elles se préparent au vu et au su de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1994? Il y a eu, pendant quelques années, l'ONU, les puissances impérialistes ont fait semblant de chercher des accords de paix au Rwanda et au Burundi. Ces accords, les accords d'Arusha, une ville de Tanzanie, ont été signés en 1993, mais en fait, ils ne sont pas appliqués. Le 6 avril 1994, Habyarimana, avec son collègue président du Burundi, reviennent d'une nouvelle négociation, d'une nouvelle séance de négociation pour essayer de trouver une solution politique, en vain, et ils reviennent à Kigali, et l'avion d'Habyarimana est abattu le 6 avril 1994. Immédiatement, les milices, les génocidaires expliquent que c'est le FPR, et le soir même de cet attentat, les milices sont dans les rues de Kigali, le massacre commence. Les milices installent des barrages, commencent à assassiner, les trottoirs sont jonchés de cadavres. Ce génocide va durer 3 mois et va donc faire 1 million de victimes à travers tout le pays. À ce moment-là, le 6 avril, le 7 avril, il n'y a plus de pouvoir en place au Rwanda puisque Habyarimana a été assassiné. Et bien le nouveau gouvernement de Hutu extrémiste. Il est formé dans les salons de l'ambassade de France, sous les yeux de l'ambassadeur de France. On ne peut pas parler d'aveuglement, on ne peut pas parler d'ignorance à ce moment-là. Et c'est eux qui orchestrent ce génocide. Des victimes ont expliqué que sur certains barrages, ils ont vu des soldats français qui étaient aux côtés des milices qui massacraient à la machette. La France, elle sait très exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, elle le nie, en expliquant que c'est un double génocide. C'est ça sa position négationniste qui nie complètement l'existence de génocide. Les ventes d'armes sont interdites au Rwanda par l'ONU. Et ben, actuellement, un certain nombre de banques françaises sont mises en accusation parce que, comme la BNP, elles ont vendu des armes aux génocidaires pendant ces 3 mois de 1994. Donc, le génocide a lieu. Pendant ce temps, le FPR avance encore plus et il va finir par prendre le pouvoir à Kigali en juin 1994. À ce moment-là, l'armée française,
elle intervient de nouveau au Rwanda, c'est l'opération turquoise, sous prétexte de sauver les victimes de ce prétendu double génocide. En fait, la France, si elle décide d'intervenir à ce moment-là, c'est parce qu'elle veut protéger la fuite des génocidaires qui vont traverser le pays et aller se réfugier au Congo. Et son intervention, c'est ça son but. Un certain nombre même de soldats français qui ont participé à cette intervention vont s'en rendre compte. Il y a un épisode qui est connu, c'est celui qu'on appelle de la colline de Bissé-Soro. C'est-à-dire que sur le chemin de l'opération turquoise, des soldats français trouvent sur cette colline des Tutsis qui fuient leurs tortionnaires. Ils sont quelques-uns, enfin les soldats français, ils retournent vers leurs officiers pour demander de pouvoir intervenir pour protéger les Tutsis des génocidaires qui arrivent. Ils vont mettre 3 jours à obtenir l'ordre de pouvoir aller sauver les Tutsis. Et quand ils obtiennent enfin l'ordre, au bout de 3 jours, ils y retournent dans la colline de Bissé-Soro, mais là, ils trouvent des cadavres. Parce qu'entre-temps, les tortionnaires, ils ont eu le temps de massacrer les Tutsis. C'est d'ailleurs, parmi ces soldats, que certains ont dénoncé, des années plus tard, ont compris, ont dénoncé ce qu'était l'opération turquoise. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas croire aux mensonges actuels sur les errements des politiciens de l'époque. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé réellement au Rwanda. Voilà le rôle de la France dans ce génocide. Et voilà pourquoi Macron, il était obligé de passer au-delà des positions françaises négationnistes, de faire un geste, une espèce de reconnaissance sans reconnaissance, un discours complètement hypocrite, pour comme droit de passage, d'une certaine façon, pour que les capitalistes français y puissent aujourd'hui reprendre pied au Rwanda. Et c'est ce qui se passe. Et c'est même ce qui se passe, parce que c'est préparé avec Paul Kagame, c'est ce qui se passe depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que des négociations ont lieu et que même un certain nombre de capitalistes commencent déjà à faire des affaires au Rwanda. L'AFD, l'Agence française de développement, qui est tout ce qu'on veut sauf une ONG au service de la population, elle a rouvert ses bureaux à Kigali il y a 2 ans. L'AFD, c'est une agence qui sert les capitalistes français parce qu'elle prête de l'argent aux pays pauvres, qui, sous prétexte de faire des investissements. Ces investissements, ils se traduisent en fait en commandes pour des capitalistes français, du type Bouygues, du type Bolloré, voilà, qui ont construit d'ailleurs, parce que ça se fait dans d'autres pays, qui ont construit des barrages, des usines, plus ou moins utiles à la population, mais en attendant pour eux, ça a été des marchés. Les États s'endettent pour faire ces investissements. Évidemment, ensuite, ils sont obligés de payer la dette avec des intérêts, dettes et intérêts qu'ils payent à des banques occidentales et à des banques françaises. L'AFD a donc commencé son sale boulot au Rwanda, a déjà prêté quelque chose comme 140 millions d'euros au Rwanda, et ça s'est traduit par des affaires pour les capitalistes français. Vivendi vient de construire un complexe culturel avec cinéma, salles multiplex à Kigali pour 40 millions d'euros. Et on comprend bien que c'est seulement le début que les capitalistes espèrent bien récupérer des marchés. Et puis il y a une raison encore plus profonde à cette volonté de Macron que la France retourne au Rwanda, c'est que le Rwanda, c'est le voisin du Congo. Or le Congo, c'est le pays le plus riche en minerais et en richesses naturelles de l'Afrique, que ce soit du cuivre, des diamants, de l'or ou des minerais fondamentaux pour les capitalistes, pour tous les impérialistes du monde, dont un qu'on connaît, le coltan, qui sert à la fabrication de nos téléphones portables. Et pour obtenir ces minerais, eh bien, les impérialistes du monde entier, ils arment des milices, là encore des bandes armées, qui massacrent, qui tuent, qui violent au Congo. Ça fait 20 ans qu'il y a une guerre au Congo qui n'a pas de nom, mais qui a déjà fait des millions de morts. Voilà la réalité de la situation. Alors pourquoi insister à ce point sur la complicité de la France dans le génocide au Rwanda? C'est pour bien comprendre que ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une erreur momentanée des politiciens de l'époque. Mitterrand, il était président de la République à l'époque. Mais dans son gouvernement, il y avait Juppé, il y avait Villepin,
il y avait un certain nombre d'hommes politiques qui sont toujours vivants aujourd'hui et qui savent très bien que la politique qu'ils ont menée là-bas, c'est la politique qui mène partout ailleurs. Donc nous, prendre conscience de ce qu'elle signifie la politique de l'impérialisme français, c'est comprendre à quel point ils ont toujours soutenu des dictatures, ils continueront à soutenir des dictatures, ils continueront à appuyer des massacres si leurs intérêts sont en jeu, voire à massacrer eux-mêmes quand les intérêts des capitalistes sont en jeu. Et c'est aussi comprendre que le seul moyen de débarrasser la planète des guerres, des massacres et de ce type de génocide, eh ben ça va être de renverser l'impérialisme, d'abattre l'état de la bourgeoisie française et d'abattre le capitalisme.